Bonjour mes amis, bonne année, bonne santé. Une nouvelle année commence, beaucoup de projets. Je vous souhaite plein de bonheur, de santé, de joie, d'amour, de belles rencontres, de belles aventures. Moi, je commence cette année avec un instrument qui passe presque inaperçu dans les groupes, mais qu'on entend tout le temps. Chez nous, cet instrument s'appelle le jazz. Voilà, je crois, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un lien avec le jazz? Je ne sais pas, mais en tout cas, le jazz, c'est ça. C'est une boîte de conserve dans laquelle on a mis des graines. Et c'est un instrument qui accompagne plein de choses chez les Congos. En Afrique, à Brazzaville, au Congo-Brazza, chez moi, chez les Soundi aussi. Ça accompagne les berceuses. C'est un instrument qui se joue seul, avec un chant. Les mamans avec son bébé au dos pour consoler le bébé ou bercer le bébé qui ne veut pas dormir, utilisent cet instrument. Après, on le trouve sous plusieurs formes, plusieurs déclinaisons, maracas, Chekere, Kitsatsa, Nkwanga, Jazz. Si je fais jouer un petit rythme simple, comme ça, hop.
Voilà, c'est ça le jazz. Donc c'est le jazz, hein. N'oubliez pas cette appellation, jazz. Je ne sais pas, je suis pas capable de vous dire est-ce que c'est s'il y a un lien avec le jazz et la musique jazz. Mais je pense que vu le côté swing de cet instrument, je crois que ça doit être. Il y a un lien, il doit y avoir des origines. On va gratter un peu dans les racines parce que le jazz, c'est un mot Congo, hein, qui remonte au royaume Congo, hein. Donc, c'est des soundis, puisque moi je suis un bassoundi de Bangala, donc on joue de cet instrument. Donc, c'est un jazz. Et voilà. Donc une fois de plus, bonne année au son du jazz. Rick Malonga, bonne année, bonne santé. Ciao.